Things are right, you just know. There is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I'm feeling, really mean it. I wanna shout it from the rooftop to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be. Con Team Vision e Now TV hai la Serie A Team con 7 partite su 10 ogni giornata e molti altri sport a €29,99 al mese. E i primi 4 mesi li offre Team. Chiama il 187 o vieni nei negozi Team. Et donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match. C'est parti entre l'équipe de l'Udinese et l'équipe de la Juventus au Dacia Arena. Comme vous pouvez l'entendre, il y a les supporters qui sont présents. Enfin, surtout une ambiance de supporters, le bruit enregistré. Du coup, c'est un audio. Et on va tout de suite parler de ce match qui peut être très très intéressant. Je vous laisse écouter au Genello. Voici la compo de l'Udinese avec Nesterovski, Lasagna, Fofana, Dopo, Larsson, Wallace, Ziegler, Nuitink, De Maio, Rodrigo, Bessao, Musso en 3-3-2-2. Et la compo de la Juventus avec Ronaldo, Dybala, Bernardeschi, Rabiot, Ramsey, Bentancourt, Alexandro, De Ligt, Rugani, Cuadrado et Buffon en 4-3-3. Comme on peut voir, Rugani qui remplace donc Bonucci qui, je vous rappelle, a eu un carton jaune le dernier match, et du coup, au cumul, ça fait le carton rouge pour donc cette rencontre. Kenny, je vous rappelle, étant blessé, ne sera donc présent très certainement que pour la Champions League. Et donc, en parlant de ce match, un match qui peut être vraiment intéressant, car je vous rappelle que si la Juventus gagne, ils vont gagner encore une fois le Scudetto, le quatrième. Le quatrième Scudetto consécutif, hein, très certainement pour la Juventus. Attention encore le tac là. Et ça sera donc le premier Scudetto gagné par, du coup, Monsieur Maurizio Sarri. La frappe encore, la frappe bien défendue. Ziegler. Le ballon qui sera donc pour l'équipe de la Juventus avec Buffon qui du coup remplace Chesney pour ce match. On se retrouvera bien évidemment ce dimanche pour, oui effectivement, l'Euro aussi, mais surtout la remise du trophée du Scudetto. Si la Juventus au grand jamais, si la Juventus gagnait aujourd'hui face à l'Udinese, un match vraiment très très intéressant. L'Atalanta Bergame qui, je vous rappelle, a gagné. Et donc, rien n'est perdu. Hein, bon, il reste encore, je pense, 4 matchs au total avec celui-ci. 4 matchs pour peut-être prétendre à la victoire. Si la Juventus n'arrête pas de perdre, ça peut être assez compliqué hein, pour la Juventus pour gagner. Je pense que s'ils gagnent ce match-ci, de toute façon, bah, ils seront champions. Voilà, simplement. On a le ballon perdu, ça sera donc récupéré pour Musso. Quelques semaines de la Champions League. Je vous rappelle le match retour face à l'équipe de l'Olympique de Lyon. Pays de Lyon qui a gagné à domicile pour le match aller 1-0. Si la Juventus se fait encaisser, ça peut être très très difficile hein, au Allianz Stadium. Tout peut arriver, comme la disqualification, ça aussi, ça peut être vraiment intéressant. Le ballon pour Bentancourt, on aura donc Aaron Ramsey, Rabiot, Alexandro. Donc
c'est pas fini, Ramsey, ouais, qui perce du coup cette balle. C'est du coup pour Nestorovski. Lasagna. Lasagna peut-être pour le but. Oh, le but pour l'équipe de l'Udinese. Et voilà. Vous entendez un petit peu les supporters. Forcément, c'est l'audio qui du coup est de mise depuis quelques semaines maintenant. Depuis dimanche passé. Et voilà, la frappe du joueur interplanétaire italien, hein, Lasagna. Du jeune joueur aux 7 talents. C'est reparti du coup avec Rabiot, Alexandro, Cristiano Ronaldo. C'est des manteaux en haut. Hein. Le dernier match de la Juve, je vous rappelle que ce sera la semaine prochaine. Semaine prochaine qui sera la fin de saison pour la Serie A. Donc qu'on aura bien évidemment à voir le mercato. Cette saison aussi, il n'y aura pas l'International Champions Cup. Ça, forcément, vous vous en doutiez. Hein, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y aura pas la coupe d'intersaison. Je vais tout ce qui va donc s'entraîner toutes les vacances, hein, tout ce qu'ils auront. Ronaldo, le ballon, mauvaise passe. De Cristiano Ronaldo, ce ballon qui du coup est pour Ziegler. Fofana. Larsson. Rabiot, c'est pour Alexandro. Bernardeschi. Oh, la frappe magnifique là sur ce coup franc de Dybala. Ouais, effectivement, là ça s'est joué très très vite. Finalement, on pensait que Dybala allait refaire carrément un centre, mais non, pas du tout. Il a tenté directement la frappe. C'était bien éveillé, hein, de justesse par l'équipe l'Udinese. Pardon, l'Udinese à la Juve qui du coup avait quasiment le même maillot. C'est pourquoi ils ont changé le ballon qui était à deux doigts de rentrer. C'est du coup le corner à nouveau avec Rodrigo Bentancourt, la tête. Et ce ballon est du coup pour Musso, le gardien de l'Udinese. Du coup c'est interposé, le ballon peut-être pour Rugani avec Buffon. Qui du coup relance cette balle pour Alexandro. Ouais non, mauvaise passe, très mauvaise passe. C'est du coup pour la Juve. Oh, bien joué ça avec Alexandro. Rabiot. On aura Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo. La frappe à nouveau, l'arrêt magnifique là de Musso, encore une fois. Oh, magnifique ballon pour De Ligt. Matisse De Ligt, Alexandro. C'est pour Cristiano Ronaldo. Bernardeschi. Ouais, Cuadrado. Alexandro. Magnifique ballon pour Ronaldo à nouveau. Ronaldo, Ramsey. Oh, magnifique ballon pour Dybala avec Bernardeschi.
Bernardeschi, le ballon qui va très certainement sortir ou récupérer. Non, récupéré tout juste par Bernardeschi. Le centre de Rabiot. C'est finalement pour Larsson. Avec Rodrigo Becao. Larsson. Ouais, ballon pour personne. Ça sera donc pour la Juventus. Avec Adrien Rabiot. Rodrigo Bentancourt. Cuadrado avec Bernardeschi. La Juventus qui met un petit peu le pressing. Avec Ramsey. Rabiot. Alexandro, magnifique ballon pour Ronaldo. Ronaldo la frappe, oh, c'est pas passé loin ce ballon qui aurait pu faire but. Il a tenté un petit peu trop l'extérieur là, il est beaucoup trop fort cet extérieur là pour Ronaldo. La balle qui est du coup pour l'équipe d'Udinese. Avec Larsson. Larsson, c'est pour Robert de Paul. C'est pas fini, Larsson. Encore présent, Larsson. Le ballon, peut-être la frappe de Lasagna. Ah, ce ballon qui aurait pu faire but, une fois de plus. Ce ballon qui est donc du coup pour Gigi Buffon, Rugani, Matisse de Ligt avec ballon perdu, Larsson. Ce ballon récupéré, intercepté par l'équipe la Juventus avec Rabiot, Dybala. C'est pour Ramsey qui lance Dybala. Qui lance lui aussi Cristiano Ronaldo. Dybala, la frappe trop forte hein, de Ronaldo, mais pas loin. Un petit peu moins fort, je pense qu'elle aurait été dedans, hein, cette frappe. Allez, magnifique frappe, passe d'incursion plutôt. C'était très très belle quand même la passe de Dybala sur Ronaldo. C'est du coup pour Musso. De Ligt, le ballon pour De Ligt à nouveau, Rabiot, c'est pour Ramsey, Ramsey avec Rabiot, c'est pour Dybala, Dybala, ballon pour Bernardeschi, perdu, ce qui est donc peut-être pour la Juve. Alexandro, pour Cristiano Ronaldo, Dybala, Ronaldo, avec, ouais non, ballon pour personne, ce sera donc pour Musso. Une série qui aurait été vraiment très très spectaculaire hein, jusqu'au bout cette saison. Forcément, il y a une saison qui a été vraiment très très difficile. Même chose tout en Europe. Hein, déjà le Ballon d'Or qui ne sera pas présent. On avait du Ronaldo, on avait surtout Benzema aussi qui était attendu au tournant. C'est vrai que ça va faire un petit peu de. Ça va trister un petit peu tout le monde côté du football. Ça n'a pas arrivé depuis, oh, depuis des lustres. Annulation hein, du ballon d'or. C'est donc l'incursion avec Lasagna. Le tac de Delirte, mais ça suffit pas. La frappe encore une fois. Et Buffon qui refait le même arrêt. Qui refait le même plongeon. Malheureusement, il n'y a pas l'arrêt. Ce ballon peut-être envoyé en 6 mètres. Ou en passe, ça dépend. C'est plutôt en passe avec du coup De Ligt. De Ligt avec Alexandro. Alexandro. Oh, ça c'est bien fait ça. De Cristiano Ronaldo encore. Dybala, Dybala qui était là. Il y avait Ramsey aussi. Ramsey, magnifique frappe en un temps pour Musso.
Elle a tiré de l'extérieur là, Ramsey, perdu pour perdu. C'est pas fini, attention, le corner de Rodrigo Bentancur. On a Dybala, on a aussi personne. Oh, attention quand même, Rougani. Il y a Rougani, mais personne ne peut récupérer car il y a hors-jeu sur La Roya. Bon, il y a tout le monde qui est hors-jeu là, il y a même Bernardes qui est hors-jeu aussi. C'est du coup le renvoi pour le gardien. Peut-être en 6 mètres, hein, ouais, en 6 mètres finalement. La tête de De Ligt. Avec Ronaldo, on a Bernardeschi. Avec Ronaldo, le tir et la frappe sur le gardien. Ça fait du coup le corner. Ouais, du coup Bernardeschi qui est revenu. Je vous rappelle qu'il avait eu un carton, un deuxième carton. Ce qui a donné un deuxième. Un carton rouge. Et donc il avait été absent le dernier match, mais ici il est revenu. Parmi les siens, c'est du coup le corner avec du coup personne. Ou personne à l'arrivée. Ce ballon qui n'est pas perdu. C'est récupéré du coup pour l'équipe de l'Udinese. Avec Robert De Paul. De Paul, le tac sur De Paul. C'est du coup pour Rabiot avec Ramsey. Larsson, le ballon récupéré avec Rugani. Le ballon magnifique. C'est pas fini, c'est pour peut-être Ronaldo, la frappe de Ronaldo. Et c'est fait. Cristiano Ronaldo qui du coup marque un nouveau but. But égalisateur dans ce match. Et marque son 31e but. En Serie A, forcément, à peine qu'ils ont gagné le Scudetto, il y a aussi Ronaldo qui gagne le classement des meilleurs buteurs. Je vous rappelle que Messi a 25 buts au total. Donc Ronaldo qui bat déjà Messi, qui me semble bat aussi Robert Lewandowski en Bundesliga. Donc je pense qu'il y aura au moins le soulier d'or, si le soulier d'or est retenu. Et encore des trophées hein, pour Ronaldo, décidément un joueur qui est exceptionnel. Cristiano Ronaldo qui ne vieillit jamais lui aussi. Hein, c'est un des joueurs qui ne vieillit jamais. Côté des trophées, ça c'est clair. Et voilà, 1-1. Pour l'instant, la Juventus qui fait match nul. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est déjà pas mal. Écoutez. Voilà donc ouais 34 buts pour Robert Lewandowski, ce qui du coup laisse Ronaldo un petit peu de marge. On est du coup reparti quelques instants, je vais essayer un petit peu les musiques. Et voilà, donc on est reparti pour donc ce match. Ce match entre l'Udinese et la Juve. Un match qui, je vous rappelle, peut valoir un scudetto pour la Juventus. La frappe de Dybala, ce ballon qui du coup sort. Ce sera donc pour le gardien en renvoi 6 mètres. Les passes, elles sont belles hein, quand même. Passe en un temps, une incursion aussi. Des passes qui font mal, forcément. Dybala qui a failli marquer un but encore une fois. Larsson. Ballon récupéré pour Rabiot. Ballon de La Roya. La Roya qui, je vous rappelle, a fait son transfert à
a renouvelé son contrat avec la Juventus pour finir en 2025. Et il peut encore augmenter son contrat. Mais pour l'instant, il est valable de rester à la Juve jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025. Désolé, j'ai un petit peu de mal à déglutir. Forcément, attention ce ballon. Peut-être pour Ronaldo, pour Dybala. Peut-être pour Ramsey. Bah, Ramsey sur Alexandro. Cristiano Ronaldo qui du coup relance La Roya. La Roya à la tête. Ballon pour Musso. Attention, je pense que la tête de La Roya n'était pas très très cadrée. De Ligt qui du coup refait sur Rugani avec Bentancur. C'est pour Cuadrado. Sur l'aile avec Rugani. Ramsey, le ballon récupéré avec Rugani, Bentancur, Cuadrado. Le mauvais arrêt de Musso. Oh là là, c'était pas passé loin. C'était pas passé loin, effectivement. Il y a rien qui s'énerve contre sa défense. Changement annoncé, Théodor Kšić, qui du coup remplace Nestorovski. L'ancien joueur en Pro, Jupiler Pro League. Cuadrado. Avec Rabiot, le ballon qui est du coup pour CR7. Peut-être hors-jeu, oui, hors-jeu pour La Roya. Paulo Dybala. Effectivement, il y a bel et bien hors-jeu. Changement annoncé, Rabiot qui du coup est remplacé par Blaise Matuidi côté Juventus. Avec Cuadrado, le tacle de Théodor Kšić. On est reparti, n'empêche, avec Fofana. Le ballon qui est du coup pour Ramsey. Ramsey, le ballon, la tête de Bernardeschi, Théodor Kšić. Avec Lasagna, la frappe, oh, le but pour l'équipe de l'Udinese, encore une fois 2-1, 2 pour l'Udinese et un but de Robert De Paul. Très bon joueur, hein. D'ailleurs Robert De Paul en Serie A est très très fort. Il y a aussi une mauvaise relance là, de Rugani. N'a pas du coup l'habitude de jouer avec la Juventus. Effectivement, c'est toujours Bonucci ou alors quelqu'un d'autre à sa place. Mais comme Bonucci a reçu un carton rouge, c'est du coup Rugani qui va jouer. Et on est reparti 2-1, du coup 2 pour l'Udinese et 1 pour l'équipe de la Juventus, Cuadrado. Avec Bernardeschi, le tacle sur Bernardeschi, c'est pas fini. On est reparti côté Udinese avec Fofana. L'équipe de Udinese qui domine largement dans ce match. Voilà, ça peut être très très difficile hein, pour la Juve de finir le championnat. Sauf comme d'habitude, hein, comme chaque année, la Juve a un peu de mal à finir ce championnat. Et forcément, c'est un peu, comment dire, c'est un peu spécial. On va dire ça comme ça. Le ballon, peut-être, oh, le goal dommage. On aurait aimé un dernier goal là pour l'Udinese. Encore une frappe. Peut-être la défense. Le corner. Ouais, dommage, hein, ces frappes de l'Udinese qui auraient pu faire but. Ça aurait été quand même assez mérité. Hein, un match qui est largement dominé pour l'Udinese. Avec du coup le corner pour De Paul. Changement annoncé en tout cas Douglas Costa qui va remplacer Bernardeschi. C'est pour du coup Paulo Dybala. Paulo Dybala, ballon perdu, c'est du coup récupéré avec Fofana. Neutink.
De Maio. Le ballon pour Robert De Paul. Rodrigo Becao. De Maio avec Ziegler. Ouais, il a glissé, hein, Rodrigo Bentancourt. Encore une fois, petite info assez intéressante et croustillante aussi, c'est les stadiers qui, du coup, enfin, les personnes qui doivent entretenir la pelouse, qui ont un petit peu trop mouillé les terrains. Car je vous rappelle qu'il y aura une très très courte pause à court terme. Forcément, hein, ils ont eu un petit peu leur pause en Serie A. La Juventus, la Napoli, la AS Roma, bref, toutes les grosses équipes, toutes les grosses écuries de cette Serie A qui, du coup, ont gorgé leur terrain d'eau. Du coup, c'est pour ça que le match contre la Lazio, on voyait un petit peu des joueurs glissant sur cette pelouse. Forcément, là aussi, hein, y a un petit peu trop d'eau sur la pelouse. Je vous rappelle quand même qu'il fait très très chaud en Italie aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi des cooling breaks. On n'en a pas eu d'ailleurs dans ce match pour l'instant. Mais ça peut passer tout de suite. Changement annoncé encore une fois. Miralem Pjanic qui va donc remplacer Rodrigo Bentancourt. Côté de la Juve. Robert De Paul. De Paul, le ballon qui du coup est perdu. Ça sera donc pour Larsson. Larsson pour Theodor Gzik. Un ballon récupéré avec La Roya. La Roya, c'est pour Cristiano Ronaldo. La Roya. Ouais, non, ballon perdu. Encore une fois, mauvais passe. Ça peut être très très compliqué là pour la Juve. Cette fin de match, bah, de toute façon. On aura la remise de coupe la semaine pour dimanche. Du coup, voilà. J'espère que ça va pas bugger parce que la première fois, ça a bugué. Je vais vous dire ce que ça fait. Ça fait que... Très clairement, il y a le match, oui, mais la remise de coupe, le problème, c'est que... Il y a un... Comment dire? Il y a un mauvais affichage, voilà. Oh, la frappe encore une fois de Douglas Costa. Ce ballon qui sera donc soit en corner, soit en renvoi 6 mètres par le gardien. Moi, j'opterais plutôt pour un renvoi 6 mètres. Ouais, c'est renvoi 6 mètres pour le gardien. C'est du coup encore... Ah non, non, c'est corner du coup. Corner, le défenseur qui a touché le ballon. 5 corners au total pour la Juve. Et 1 seulement au total pour l'Udinese. Ramsey, le ballon peut-être pour Cristiano Ronaldo, le ballon qui sort, ce ballon qui est du coup, rend... ah non, toujours corner, avec Pjanic. Pjanic, le ballon une nouvelle fois bien défendu, c'est pas fini, c'est pour Miralem Pjanic, encore une fois, le ballon perdu, c'est du coup pour Becao, la sortie de but, enfin la sortie en touche. Touche du coup pour la Juve avec Cuadrado, Douglas Costa, La Roya avec Ronaldo, Dybala, le but de La Roya, le but égalisateur pour l'équipe de la Juve. Ça peut jouer le titre, hein, forcément. La Juve qui veut jouer le titre tout de suite. Comme ça, ils seront très très bien pour dimanche. Et voilà, donc c'est aussi compliqué pour la Juve, forcément les scores qui viennent aussi avec la fatigue des joueurs. Je vous rappelle cette semaine, trois matchs pour la Juve, hein, qui avait eu lundi, un autre ce jeudi, donc ce match-ci contre l'Udinese, et forcément le dernier très très gros match pour la Juve ce dimanche contre la Samp. Et là, ça sera bien évidemment le match où est-ce qu'il y aura la remise du trophée. The Trophy Ceremony. Un Scudetto qui peut du coup
être remporté forcément par la Juve. Avec Wallace. Wallace avec Teodorxic. Oh non, on a du coup pour Ziegler. Où il y avait un tacle, l'arbitre qui reste de marbre. C'est pour Blaise Matuidi. Oh, Douglas Costa! Oh là là, magnifique extérieur du pied de Douglas Costa. Mousseau qui du coup récupère. C'est du coup Robert De Paul. Oh, magnifique contrôle thorax avec Buffon, Rugani. Oh, le ballon perdu, c'est du coup pour Lasagne avec De Paul. Ouais, ballon encore une fois perdu, décidément ça enchaîne. Les ballons perdus avec De Paul, Wallace. Wallace, l'action bloquée. Perdu, non pas perdu pour la Juve, c'est pour du coup Douglas Costa, Douglas Costa Pjanic avec Dybala, Dybala pour Ronaldo, peut-être pas sur décisif, Dybala, non, toujours pas. Oh, encore une fois la frappe, et c'est du coup pour Mousseau. Ziegler. Fofana avec Larsson. Cristiano Ronaldo, magnifique talonnade pour Dybala. Dybala qui perd la balle, c'est du coup pour Mousseau. Mousseau, Teodorxic, peut-être. Ouais, Teodorxic qui rentre pour son duel, c'est du coup pour Wallace. Zegelaar. Zegelaar qui a toujours la balle. Teodorxic. Zegelaar qui a toujours la possession du ballon. Attention pour De Ligt. La contre-attaque là pour l'équipe turinoise, Douglas Costa, Paulo Dybala. Paulo Dybala. Dybala qui va jouer rapidement, mais pas assez bien. C'est très très mauvais ça, ce coup franc de la Roya. Oh, attention, ballon récupéré pour Blaise Matuidi. Il y avait 2 minutes de temps additionnel, monsieur l'arbitre qui bronche pas le tacle. Décidément, favorité avec favoritisme côté arbitraire. Neutink. Le ballon qui du coup sort. Peut-être touché par la Juve, on ne sait pas ce qui se passe. Larsson qui du coup est remplacé par Sema du côté de l'Udinese. Ils le veulent, hein. Ils le veulent aussi le match nul là pour l'équipe de l'Udinese. Dybala, ballon perdu, c'est du coup pour De Paul. Et voilà. Petit suspense, on se retrouve donc dimanche pour la remise du trophée. Quoi qu'il arrive, même s'ils me font match nul, la Juve qui est très certainement, même désormais, champion du Scudetto. Et voilà donc, pour la Juve, c'est fait, hein, c'est quasiment fait. Il n'y avait plus qu'à ce match du coup, même s'il faisait match nul, ben voilà. En tout cas, merci n'empêche d'avoir regardé ce match à mes côtés, j'espère qu'il vous a plu. Bah, si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un j'aime, un commentaire, partagez cette vidéo. Et moi, je vous retrouve pour un prochain match, hein, comme d'habitude. Déjà match en Euro 2020. Salut à tous.